Contrairement à la liaison bien documentée de la princesse Diana avec le major James Hewitt, des questions demeurent sur la nature de sa relation avec Manaki. Lady Diana est contrainte de rechercher du reconfort en dehors de son mariage parce que son mari ne lui apportait pas elle, affection dont elle avait besoin. Mais Hélène, et pas la seule, car tous les deux avaient commis un adultère. Des relations extra-conjugales après que leur divorce ait été rendu officiel en 1992, le prince Charles et Diana ont tous deux admis avoir eu des relations extra-conjugales pendant leur mariage, lors des interviews. Diana, princesse de Galles lors d'un diner organisé par l'empereur Hirohito au Japon. Photo. Getty Images. Si la relation de longue date de Charles d'Angleterre avec Camilla était très médiatisée, la princesse Diana elle aussi est quelque peu volage. Parmi les complices de Lady Di, il y avait Barry Manaki, son garde du corps. Son prétendu grand amour bien que, degré de Crown, plus ou moins haine, évoquait pas la relation de la défunte épouse de Charles avec l'ancien maître chien de la police, il y avait un passage dans lequel la reine Elisabeth II et la princesse Anne parlent des liaisons prosumies de Lady Diana avec un agent de sécurité. La princesse Diana. Photo. Getty Images. Barry Manaki a été design pour être le garde du corps de la princesse des ses droits d'auteur en 1985. C'est, et à ce moment précis que la mère de deux enfants S, est sentie vulnérable. Notons que Diana et Manaki se connaissaient bien avant qu'il ne soit design comme son garde du corps. Mais ils ont tissé des liens profonds lors des, une partie de pêche qui a mal tourné au château de Balmoral. Alors qu'elle regardait son mari s'adonner à son activité favorite, un amucon à saumon s'est enfoncé dans sa paupière. C'est, et Manaki, et non son époux, qui avait ramené la princesse chez elle pour recevoir des soins médicaux. Lady Diana et Barry Manaki. Photo. Getty Images. Barry Manaki était marié à Susan, une réflexologue, et avait deux enfants, tous deux adolescents. La biographie de Sally Bedell Smith, intitulée « Degré Diane in Search of Herself », plus ou moins explore en profondeur la vie privée de la mère de William et Harry. L'auteur américaine a dit que Manaki avait une personnalité joviale et mettait Diana instantanément à l'aise. Dans des enregistrements privés réalisés avec le coach vocal de Diana, Peter Settelan, cette dernière parle de sa relation avec un garde du corps anonyme. La photo montre la princesse Diana et derrière elle, son garde du corps Barry Manaki. Photo. Getty Images. La princesse a dit clair qu'elle était profondément amoureuse de cet homme. Et, ailleurs, elle était prête à tout abandonner pour partir vivre avec celui qu'elle qualifiait de « degré plus grand amour, plus ou moins ». Un avis que le sergent Barry Manaki partageait avec elle. En le garde du corps avait été vince de son poste parce que, il était trop rapproche de la princesse. Il faut dire que la relation de Diana avec Manaki a fait couler beaucoup d'encre. Et une chose est sûre, le duo était très proche. Diana accompagnée de son garde du corps de la police, le SGT. Barry Manaki. Getty Images. La version des FAITS de Worf Ken Worf, le successeur de Manaki en tant que garde du corps de Diana, a expliqué que Lady Diane n'avait pas eu de relation intime avec elle, homme-mari. Il a dit clair que elle, époux de Susan N, était juste qu'une épaule sur laquelle elle pouvait pleurer. Pense que nous tous, hommes et femmes, travaillant avec la princesse étaient tous des épaules potentielles sur lesquelles pleurer. Son style, a-t-il expliqué dans le documentaire, Degré Diana, un eye on words, plus ou moins.
Princesse de Galles, Lady Diana. J'ai tiré image de son vivant, Diana a toujours soupçonné que Manaki a été délibérément tué en raison de leur relation. Des allegations que Warfa conteste. Ce dernier a dit clair que Manaki est mort accidentellement dans un accident de la route. La relation du prince avec Camilla Lady Diana n'est pas la seule femme que le prince Charles a humiliée avec Camilla Packables. Avant la mère de ses deux enfants, le père de William et Harry entretenait une relation amoureuse avec Anna Wallace. Si, sa partenaire de l'époque se défend contre le riche prince. Le prince Charles au palais Saint-James à Londres le 17 décembre 2008. Photo. J'ai-t-il image. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.